Bonsoir. Mon nom est Dieu. Fait chaud ici. Déçu? Ceux qui s'imaginaient un bon vieux sage avec une barbe blanche, oubliez ça. C'est un front. J'étais un petit brun laid avec des lunettes. Et j'ai créé l'homme à mon image. Les verts. Ça va bien? C'est grâce à moi. Certain que c'est grâce à moi. Et vous devriez me remercier au lieu de rire, gang de morons. Je suis pas fier de vous autres, puis je suis venu vous le dire. Vous êtes la honte de la galaxie. Là, vous devez vous dire... Pourquoi il est méchant, mon Dieu? Hmm? Pourquoi il est pas fait avec nous autres, le bon Dieu? Pourquoi il est en mon Dieu? Y'en a-tu qui ont des enfants ici? Hein? Est-ce que vous aimez vos enfants? Avez-vous vu ce que vous avez fait avec les miens? Mon fils unique, Jésus, le plus grand magané de l'histoire, puis vous n'y avez même pas fait un téléthon! Est-ce que c'était un fils de charpentier qu'il fallait mettre cloué sur un 2x4? Avoir su, je vous l'aurais envoyé pendant les vacances de construction! Hey! Ça y a pris 400 ans de physio pour s'en mettre! Êtes-vous malade? Des fois, je m'écrase sur un nuage avec John Lennon. En passant, le trou dans la couche d'ozone, arrêtez donc d'accuser le push-push. C'est moi qui l'ai fait pour vous checker. Donc, je m'écrase sur un nuage avec John Lennon. On fume un joint. Puis on vous écoute, vous posez des questions. Dieu a-t-il une femme? Dieu a toutes les femmes. Les gars! Quand vous faites l'amour avec une femme et qu'elle atteint l'orgasme, vous pensez que c'est grâce à vous autres? La main de Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Autre question. Y a-t-il d'autres formes de vie intelligente dans l'univers? La main de Dieu agit là-bas. Y a-t-il d'autres formes de vie intelligente dans l'univers? Premièrement, qui vous a dit que vous étiez intelligent? Vous utilisez le cinquième du cerveau que je vous ai donné. Un petit peu moins, puis il faudra vous arroser à tous les jours. Pourtant, j'ai donné le même cerveau à tout le monde. Il y en a qui le développent un petit peu moins bien, c'est tout. Exemple. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'au beau milieu des années 70,
Il y a un gars en Angleterre qui a composé la chanson Stairway to Heaven et qu'au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, il y a un gars qui composait Agadou Doudou. Écoutez-moi bien, ma gang de fougères. En l'an 2000, comme prévu, ça va être l'heure du jugement dernier. Je vous avertis, le party est fini. Il vous reste 7 ans pour faire le ménage. Sinon, je renouvelle pas votre bail.